Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dead Space 2 live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ah, ça, j'ai vu ça une fois. J'ai vu ça dans l'autre jeu aussi une fois. Tu prends un point de force, tu ouvres la porte, t'as du stuff, mais... Point de force, ça coûte quand même... Ah, ben, non. Je voulais faire ça, mais j'ai lancé mon stuff à la place. Un point de force, il y en a un là. Un tabarnak. Il va mettre tout le monde en vie, ce tabarnak là. C'est un ascenseur, c'est même pas pour aller là. Quand même, ça m'a quand même rendu jusqu'à moi, là, c'est Chris. Qui, toi? Ah, là. Ah, qui êtes-vous? C'est les drogues, Isaac. Les drogues qui nous font oublier. Mais ça me rend... Je vois pas ce que vous allez me parler. Pourquoi vous... GG pour le nouveau caribou dans la tribu! Barnac, Chili, hein? Et qu'ils m'ont dit bon retour. Ben, probablement que je pourrais pas te dire. C'est peut-être des fois, exemple. C'est parce que des fois, c'est sur automatique, hein? Ça fait si t'as pas venu après le 6 mois exactement, ben ça dit... comme moi, l'autre jour, ça faisait 2 semaines que j'étais abonné à quelqu'un, puis ça me donnait le mois pareil, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bon, fallait là. Arrête de crier, madame. Vous me déconcentrez. Moi, je suis en train de looter, là. Dans le Chili, c'est Dead Space 2. On a terminé le 1 hier.
C'est vrai un peu. La poubelle a disparu. On va bien, on va bien. Bon, la poubelle, ça a rien fait. Shit. Bien, c'est ton âge. Ok, je te rends la paix, là. Putain. Ouais, la tunique, c'est... Je l'ai fini, mais... J'aurais pu finir avec la fausse fin. Mais pour la vraie fin, j'étais obligé d'aller voir sur Internet. C'est wow, là. Je l'ai fait avec la vraie... J'ai fait la vraie fin, mais avec l'Internet. Mais j'aurais pu finir par tout seul, mais ça aurait été la mauvaise fin. Mais comme j'ai tout fait, mais à la fin, faut que tu fais quelque chose de plus, là. Tout trouver les filles, tout trouver les coffres. Puis ça, puis trouver le passage, puis ça, c'est comme... Wow! Ceux-là qui l'ont réussi par eux-mêmes, là, c'est des brains, là. Et investir beaucoup de temps, là. Ben c'est pas juste un 100%, c'est surtout un avoir la bonne fin, c'est... Comme... La Madame Renard, c'est qu'est-ce que c'est la Madame Renard, là? C'est comme une reine, ou en tout cas, c'est un autre renard qui est dans une bulle, là. Ben, elle, là, qui est dans la bulle, ben... Si tu fais la mauvaise fin, tu prends sa place à elle. Puis tu restes pris dans cette place-là pour l'éternité. Jusqu'à temps que quelqu'un d'autre vienne. Si tu fais la bonne fin, t'es libéré tous les deux. Et pour faire la mauvaise fin, faut que tu la tues, elle. Mais pour faire la bonne fin, faut t'arriver là avec toutes les pages du livre. Puis trouver toutes les pages du livre... Tabarnache. Histoire de conquête spatiale. Titan renaissance d'une lune partie 1. Le démantèlement de la planète devint possible lors du
des décennies suivantes, la découverte... Arrête de crier, madame! Je suis en train de lire un livre, tabarnak! Elle crie en arrière, elle. Suivant la découverte de la théorie unifiée des champs, permettant le contrôle du graviton à la façon de celui que nous connaissons pour l'élection, avec l'apparition de méthodes de contrôle... À grande échelle, le secteur minier compris qu'il tenait là de nouveaux outils à l'époque, les techniques d'accélération lumière, n'ont qu'à leur balbutiement et les risques potentiels du démantèlement sont encore mal connus. Titan, la lune de Saturne, fut ainsi choisi comme premier terrain d'expérimentation. Saturne était à distance raisonnable de la Terre et les entreprises minières avaient les moyens d'y envoyer leurs employés. Ok, mais elle se fait tuer, puis elle me dérange, elle. Oh! Bon, moi, j'arrive de là. Faut que je m'en vais là. Là, jusqu'à présent, on a comme 4-5 jeux en même temps. On a... Les nécromorphes sont partout. Oh. Toute la méduse est infectée. Comment c'est possible? Le monolithe était détruit, je l'ai détruit. C'était un monolithe, Isaac. Mais ils en ont construit un autre. Dans cette station? Pourquoi? C'est une technologie alien très puissante. Time Man veut son pouvoir. Allez au tram, il vous mènera jusqu'au quartier des tours plastiques. Taylor? Bon sang. Donc, le soir, quand Gwen est là, je joue un jeu tout seul avec elle. Ben, je joue pas avec elle, mais... Le jeu s'appelle Les fans de Sherlock Holmes. J'avais fait le nouveau Sherlock Holmes avec elle. Et là, j'ai commencé un vieux Sherlock Holmes qui est les mêmes rudiments du jeu. C'est les mêmes... c'est la même manière de jouer. C'est pas... C'est les mêmes histoires. Donc, je fais un Sherlock Holmes avec elle. J'ai joué deux fois jusqu'à date. J'ai un jeu qui s'appelle Unravel 1. C'est un jeu de puzzle, mais platformer, c'est bien fait. C'est un jeu gratuit aussi avec Electronic Arts. Aujourd'hui, on a commencé Chrono Cross Remake. Que j'ai reçu aujourd'hui. C'est un jeu d'une trentaine de piastres. J'ai jamais fait de RPG, j'ai jamais fait de Chrono Cross, mais... Ça, c'est une chance d'explorer ça pour voir. Et on a commencé aujourd'hui Alice, American Maggie Alice. C'est avant, je pense, Alice au pays de la folie. Mais c'est un jeu de 2000 et c'est vraiment pas bien fait. Même les contrôles, c'est compliqué, mais on en a fait une heure aujourd'hui, c'est pas si pire. Mais... Ça va, madame? Bébé qui boy. Bon, ça, c'est un point. J'avais pour dire, voir ça, c'est un coin de mur, là, mais... Monsieur est là, m'a déconcentré. Es-tu mort? Elle est mort. Et il y a la tanante qui criait tout à l'heure. Ça, je l'ai vu. Je viens de sauvegarder. Un petit coucou vite fait, mon cœur. Hey David! Merci pour les signalements là. Je peux pas croire qu'ils l'ont débloqué. C'est parce qu'il garde pas la bonne chose. Il regarde le texte, puis il n'y a rien dans le texte, puis il garde la photo.
Oh, il a explosé. Tu connais les jeux Dead Space, non? Bienvenue sur Electronic Arts. Toi, c'est quoi ça? Bienvenue sur Electronic Arts. Ouais. Bon, l'inventaire est plein, c'est bon. Tiens! Et tout au travail? Anomalie au courant. Putain, les affaires, je peux pas ramasser. Alors, je reviens chercher ça, là. Ah, ça, c'est des dents trancheurs. Je peux ça, là. Ça, c'est de l'argent, c'est bon. Tiens-toi. Tiens-toi! Il est où, l'autre? Il y en avait trois, me semble. Ah, l'autre est là. Responsable de nuit. Hey, c'est des bonus. Putain, tu me niaises! Putain, me semble que j'étais loin. Ça va être d'une usine de quoi déjà? Donc c'est le même personnage que dans le 1, il s'appelle Isaac. Ça va, madame? Oh non! Es-tu parti mettre tout le monde en vie? Elle est où, là? Ah!
Normalement, là, avant de faire ça... Crime, j'ai plus de place. Qu'est-ce que j'ai? De la vie, je garde ça. Je suis en train de penser à acheter ça à terre, là. Flexographie, imprime du souffle, des films alimentaires et non alimentaires et non alimentaires. Ah, c'est bon. Je te voyant, je te mêlé. Oh, il y a quelque chose là. Tu joues à quelle sorte de jeu vidéo maintenant? Tu joues encore ou... Bonne continuation si tu as encore des soucis, préviens-moi, ciao. Hey, merci beaucoup! Ouais, ma bijoute est grosse, moi. Quand boucher un trou avec deux trous. Calique, je la savais celle-là! Crime! T'es con! Ah, je m'en rappelais! Je m'en rappelle plus! Ça n'a pas avec le nez, non? Mais ton nez dans mon... Ah, je savais c'était le nez, j'arrête de dire, je savais c'était le nez pis le cul, mais je savais pas quoi c'était. Ah, c'ti. Mais ton nez dans mon cul. Hey, ça, c'est vieux. Comment boucher un trou avec deux trous? Ah, t'as entendu ça, Turbo? Tu compteras ça à la job.
Hein, de putain, de putain! Bon, là! Je suis quasiment mort là, j'étais bien là! Salut FIFA, ça, ouais, FIFA tout, ouais. À bientôt. Comment boucher un trou avec deux trous dans les lacs? Bien ça! Presque mort, ben la pomme m'a frappé! Et quand ça va pas bien, ça va pas bien.
Je passe par où? Tout va bien? On vous a perdu. Arrête, surprise. Je suis où? Qu'est-ce que vous faites là? Ok, bon, c'est pas le meilleur chemin, mais ça vous mènera au secteur résidentiel des Tours Cassini. Bon sang! Steinman a votre signal! Bougez-vous! Ok. Vous comptez beaucoup pour eux, Isaac. Tenez bon, je vous recontacte. J'ai dit ça, j'ai perdu en... Il y avait comme 6 morts là-dessus. Ah, un point ici. Ah, oh, il y en avait un autre là, tiens, toi. Il reste encore 30 minutes de jeu. Oh yeah. Où j'en ai? 3. Quoi, ce style paquet de bébés là, ça a rien. Ah!
venais de sauvegarder, hein? Tabarnak. Ouais, ça je vais faire, je vais geler parce que ça fait une calice de bâtard. Geler, c'est Y. Chris. Il détecte nos signaux. La mémoire vous est-elle revenue? Je me rappelle les bonnes et les mauvaises. Plus je me rappelle, plus j'ai des mots. Je vois toujours les symboles. Et cet homme, j'arrête pas de voir sa tête. Ils m'ont trouvé. Il manque ce qui est du coup. Ah, le stock, je peux acheter du stuff là. Ça c'est le fusil d'assaut, ok. Le trancheur. Trancheur plasma avec mine synchronisée. Ça, je l'ai jamais acheté. Et le lance-javelot, projecteur de lance, décharge électrique. On est rendu à l'épisode 3 sur combien, je me demande.
Toi, Shelly, tu joues à quoi? Salut, Tannen Giant! Ah, j'ai pas regardé ce qu'il y avait avant. Hein. Ah, j'ai gardé, oui, c'est bien ça. Il n'y a pas ce que je veux, c'est bon. Le travail, ça va bien, Chili? Du projet, tout comme vous. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un psychopathe, Isaac. Méfiez-vous de lui. Il a tué sa femme et son fils. Ok, j'ouvre l'œil. Histoire de la conquête spatiale. Titan, renaissance d'une lune, partie 2. Une colonie d'envergure fut établie sur Titan afin d'en étudier les moindres détails et de préparer son désassemblement durant cette période. Les plateformes orbitales installées pour l'occasion devinrent les prototypes des futures brises surface. Titan fut démantelé avec succès, puis traité à une vitesse impressionnante. L'opération fut un immense soulagement pour la population terrestre, menacée d'extinction par le manque de ressources. Le traitement des titans fut stoppé avant que toutes les structures ne soient détruites, ne laissant qu'un modeste fragment supportant la colonie. À partir de ce moment, la station s'agrandit considérablement et accompagna le développement des brises surface, servant de centre de recherche, puis avec l'avènement du voyage lumière, de point de lancement pour les missions de démantèlement. La station est aujourd'hui appelée la Méduse, en raison de son aspect tentaculaire. Les traces d'Allemagne à l'attention des disciples de Michael Allemagne nous, enfants du monolithe, dénonçant la politique de répression menée par le gouvernement à l'encontre de notre liberté de culte. Ce gouvernement limite abusivement les actions de notre Église, interdit par la force de nos rassemblements lors des jours d'unité, censure la diffusion de nos écrits. Nous y voyons autant de tentatives ridicules pour cacher la vérité. Notre vérité, ces tentatives seront vaines. Le chemin emprunté par le gouvernement est simple. Et épis, aveugle, destructeur et sans espoir, seul l'unitologue J peut encore apporter des réponses. Adman avait prédit, et nous sommes au service de sa vision. Allez, j'ai dit qu'il me chatouille. Préparons-nous à la convergence des proches.
calisse, hein? Dirigé vers les résidences. On dirait un lieu de recrutement unitologue. Je me suis perdu? Oui. Il y a un vieil accès de maintenance qui vous conduira jusqu'au tour Cassini par le système de tri des ordures. À plus. Église unitologue de Titan, recruteur des nouvelles recrues se raffairie des dernières semaines. Le gouvernement n'y est pas étranger avec sa campagne de dénigrement, nous faisant passer pour des escrocs, voire des terroristes dans les médias. Les responsables des églises de Vénus et de l'Héliopause travaillent à une réponse appropriée. Le budget nécessaire sera alloué aux relations publiques, voire directement aux médias, pour refuter ces accusations. Les licenciements de la CEC ont également une incidence non recrutement ayant chuté de 30% par rapport à l'année dernière. Putain, tu niaises, tu tabarnak, deux balles à côté comme un esti de cabochon. La porte s'est pas ouverte, c'est ça.
J'ai tué plus de bébés que ça, est-ce qu'il y a... Que je survis comme ça. Vous voyez ? Retournez les contrôles. Je me vide de mon sang. Ces salauds m'ont pas loupé. J'espère que ça pourra vous aider. Qui que vous soyez. Comment est-ce qu'il a dit ça ? Il est trop tard, là. Je l'ai mis en guenille. Ah bon, répète. Ok. Vous qui regardez ça, écoutez-moi bien. Vous pouvez récupérer les membres coupants par kinésie pour ensuite les retourner contre eux. Regardez bien. Est-ce qu'il était le membre coupant? Ah, il est là. J'en ai trois.
Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Dead Space 2, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!